à dynamique inverse ces dernières semaines pour l'ASBH et l'USC qui se retrouvaient au stade de la Méditerranée dimanche. Assis Béziers est redoutable actuellement avec 5 victoires de rang. Carcassonne vient de concéder 4 revers en 5 rencontres. Et dès le début du match, c'est une pénalité pour Béziers, un grattage illicite de Kofi que sanctionne Jérôme Porical 3-0. La réaction carcassonnaise est immédiate. Gilles Bosque valide une pénalité pour un écran de Marco Pena sur Kofi. 3 partout après 14 minutes. Les Biterrois sont dans l'avancée. Les Carcassonnais mis à la faute et Rawaka décide de jouer rapidement cette pénalité à la main. Le relais de Pique, le service pour Thibaut Suchier et le demi-ouverture qui joue un petit jeu au pied rasant pour lui-même et s'en va inscrire le premier essai dans cette partie. On admire sur cette passe de Vardy le petit jeu rasant de Thibaut Suchier, l'inspiration, le petit vol plané pour aller marquer le premier essai du match. Jérôme Poical se charge de la transformation puis enquille une nouvelle pénalité à 13-3 après 21 minutes. Mais les Biterrois se mettent à la faute. Hagan est sanctionné à près de sa ligne. Les Carcassonnais choisissent en supériorité numérique de jouer une mêlée. Valentine sort le ballon. Bosque allonge pour Pili qui allonge à son tour pour Benoît Jasmin. Essai de l'ancien grenoblois. Joli mouvement des trois quarts carcassonnais sur cette action qui viennent prendre à défaut à la défense biterroise en infériorité numérique. Les sanctions s'enchaînent après le carton jaune adressé à Thibaut Suchier près de son but. C'est un carton rouge adressé à Bakary Meïté juste avant à la mi-temps pour une main dans le visage de Oharo. Christian Labitte est circonspect à la pause. Son équipe est menée 13-8. Au retour des vestiaires, les Biterrois savent qu'ils vont devoir jouer face au vent, mais à supériorité numérique pour une bonne partie de la deuxième période. Les Carcassonnais se font contrer un ballon en touche. Pique emmène le ballon vers ses avants. Après un point de fixation, il ouvre côté gauche. Le relais Suchier qui récupère le ballon pour Porical. Porical vers son ailier Wesley Douglas. Celui-ci joue au pied. Après avoir joué le funambule le long de la ligne de touche, il vient plonger, récupérer le ballon et marquer un nouvel essai. Sur cette action, le funambule ailier Douglas a été servi par Porical. Il longe la ligne de touche, puis joue au pied et prend le meilleur sur les derniers défenseurs au doigt. À 18-8, la transformation est manquée du bord de touche par Porical. En face, Gilles Bosque réagit après une pénalité contre un Biterrois pour n'être pas sorti de la zone plaqueur-plaqué. Carcassonne revient à 18-11. Mais les Biterrois sont dans l'avancée. Une nouvelle fois, Douglas est servi par Barrère. Après un ballon relevé par le pilier Fernandez, on retrouve Jean-Baptiste Barrère pour un essai du troisième ligne. Malgré deux défenseurs, Barrère vient donc marquer le troisième essai des Biterrois. Ils peuvent alors peut-être rêver un bonus offensif, le troisième cette saison au stade de la Méditerranée. Mais il n'en est rien, au contraire, ce sont les Carcassonnais qui poussent et qui en force envoient le talonneur Thomas Sauveterre marquer un essai. À 23-16 puis 23-18 après la transformation de Gilles Bosque, la dernière action est carcassonnaise, les Audois poussent dans les 22 mètres des Biterrois, mais une grosse défense de Desroches permet à Béziers de s'imposer à 23-18 dans cette partie devant Carcassonne.